Tout peut arriver à 50 ans. Depuis son rôle de Vic Berreton dans La Boum, Sophie Marceau demeure l'une des actrices françaises les plus populaires, enchaînant chaque année plusieurs longs métrages au succès retentissant. Attachée à l'image de la maman cool dans ses films, elle sera bientôt Lisa dans I Love America, le prochain film de Lisa Azuello, avec qui elle a déjà tourné LOL et Une Rencontre, qui sera disponible sur Prime Video. Elle y incarne une quinquagénaire qui décide de changer de vie en mettant le cap sur Los Angeles, et s'inscrit notamment sur une application de rencontre dans le but de trouver l'amour. Une chose que Sophie Marceau serait prête à faire? Discrète à propos de sa vie privée, la comédienne n'a pour le moment pas de compagnon connu du public, elle qui a été la compagne d'Andrzej Żuławski, de Jim Lemley, ainsi que de Christophe Lambert pour qui elle a eu un coup de foudre, avant d'annoncer leur séparation en 2014. Toutefois, passer par les applications pour retrouver l'amour. Très peu pour l'actrice. Si je n'avais pas été Sophie Marceau, aurais-je pu m'abonner à une appli de ce type? Je ne peux pas vous répondre, a-t-elle ainsi confié à Télé 7 jours, lundi 7 mars, avant d'ajouter que, a priori, ça ne fait pas partie des trucs qui, elle, emballent. Mais si y est-il un a priori, a-t-elle ainsi précisé, avant d'ajouter, il y a beaucoup de gens qui souffrent de solitude, y compris des personnes très convoitées, par ailleurs. Pourquoi Sophie Marceau est-elle si discrète? Complexée, Sophie Marceau est également une personnalité pudique, qui tient plutôt à la discrétion. Et ce pour une raison particulière. Je ne veux pas qu'on me dicte quoi penser, mais je ne veux pas non plus dicter aux autres ce qu'ils doivent penser, a-t-elle ainsi confié, tandis qu'à 14 ans, on lui a dit, tu ne t'appelles plus comme ça, tu ne fumes pas devant les caméras, tu ne t'habilles pas comme ça, tu ne parles pas comme ça. S'est-elle ainsi souvenue, avant d'ajouter, on m'a tout le temps répété que j'étais un modèle. Un poids lourd sur les épaules de la comédienne, qui n'est visiblement pas sans conséquences. Loading widget.